parti pour l'envoi du petit Dylan qui a pas beaucoup de vent. Du coup, ça va pas être trop compliqué, j'ai pas besoin de mettre le gros ciel. Mais toujours la petite tenue et surtout de quoi m'attacher pour aller à l'avant du bateau. Voilà, le petit Dylan qui est envoyé. Ça a pas mal molli. En fait, dans quelques heures, c'est. Là, je devrais avoir le grand Jenac, mais dans quelques heures, c'est petit Jenac. Donc, du coup, c'est petit Jenac. Chaque manœuvre coûte tellement en temps et en énergie et en possibilité de faire une connerie. Qu'il vaut mieux pas être trop optimiste. Il vaut mieux être un peu modeste, en fait. L'orgueil, ça le fait pas trop sur un gros bateau comme ça. Voilà, et là, c'est le merdier, il faut que je range tout ça. Quasiment, il n'y avait plus que 2 mètres de houle. Ça change tout. Ça change tout, le bateau il vit. Tu peux te tenir debout comme ça sans te tenir les mains en l'air. J'avais allumé qu'une seule fois le chauffage une demi-heure depuis le début parce que je veux pas consommer, ça marche au gasoil donc je voulais pas trop consommer de gasoil et d'énergie, mais là je suis gelée, j'ai mis plein de couches et j'arrive pas à me réchauffer. Du coup j'ai allumé le chauffage, je me branche et ça fait un peu d'air chaud, comme franchement c'est hyper agréable. Je les mets surtout sur les pieds et c'est cool. Et je l'ai mis à 30 degrés, du coup c'est pas trop chaud, mais je vais le laisser une petite demi-heure, ça va faire du bien. Là on voit, j'ai un petit anticône derrière moi, le petit trou là. Et là on voit ici, là où les traits sont plus rapprochés, c'est l'avant d'une... Enfin c'est l'avant d'une petite dépression, mais qui est vraiment pas très forte. Qui va me pousser quand même jusque là à peu près. Enfin bref, c'est peut-être pas très clair tous ces traits, mais je vais réussir en voilà mon meilleur otage à aller ici sans trop d'encombre. Normalement, une petite zone de pétale, et puis ici ça se complique parce qu'il y a un anticyclone qui va descendre. On voit l'Australie là, la zone des glaces là. Le passage là, il risque d'être pas évident, mais bon, c'est comme ça. On préfère ça que la grosse tempête, ça c'est sûr.